désir du défendu quand ils sont en bande au coin d'une rue. On leur défend toutes les joies en les montrant partout du doigt. Pourquoi les mauvais garçons, tous les fauriens, ne sont pas méchants, je le sais bien. Allô, pharmacie Thibault, voudriez-vous m'envoyer une grosse bouteille de bromo sauceux et un carton de cigarettes export à 2235 Elwin, s'il vous plaît? Puis aussi m'envoyer une chambre pour 20$. Très bien, merci. Daniel. Pas confiance à ça. Pierre Pilon, à quel âge avez-vous terminé vos études? Vers l'âge de 14 ans. En quelle année? En 7e année. Vous travaillez en ce moment? Non. En chômage? Oui. Est-ce que c'est la première fois? Oh non, pas la première fois. Est-ce que vous vous classez un chômeur de profession? Ben, pas de profession, mais amateur. Quel travail est-ce que vous faisiez avant de devenir chômeur cette fois-ci? Journalier. Où ça? Travailler dans les landeries, manufactures. Ben là, j'étais... j'enveloppais le linge. Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre travail? Oh, le salaire n'était pas assez intéressant, puis il y avait, à part ça, aucune chance d'avancement. Combien est-ce qu'on vous donnait par semaine? Alentour de 30$ par semaine. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Bien... J'ai l'intention d'essayer de faire de la vente. La vente? Mm-hmm. De quoi? Ben, n'importe quoi. Si vous pensez à vos camarades,
Est-ce que vous croyez que le chômage les mène, parfois, à la délinquance? Ben, il y a le fait de ne pas travailler, d'être toute la journée à rien faire. Mettons, il y a ceux qui traînent sur la rue, ils en rencontrent d'autres, ils sont tous à rien faire, fait que ils font des rêves. Et... Maurice Nadeau, ça rêve à quoi, un jeune chômeur? Ben, ça rêve souvent à envoyer un salaire raisonnable dans un job qui l'intéresse. Comme de raison, ça n'arrivera pas de délivrer des commandes de grosserie ou aller s'enfermer dans une facture à 25-30 $ par semaine. On lui a souvent dit, durant le temps qu'il était à l'école, ben, continue tes classes qu'en 9e ou 12e, et après ça, ben, la réussite t'attend, le succès, les gros salaires et tout ça. Il sort de l'école, mais on lui offre ça, 25-30 $ par semaine. Ça fait que ça brise bien les rêves. Et un jeune délinquant, ça rêve à quoi? Ben, le jeune délinquant, en général, est un chômeur un peu de profession, c'est-à-dire qu'il a de nombreuses heures à flâner au lit le matin et tout ça. Ça fait que là, ça fait des rêves tout à fait irréels. Ça rêvera pas de gagner un salaire raisonnable. Ça rêve d'être millionnaire, ça va rêver de posséder une Cadillac, de faire le tour du monde sur le pouce, différentes choses comme ça. Gilles Desmarais, quand vous y repensez, et surtout parce que c'est pas tellement loin, qu'est-ce qui vous a le plus manqué à l'école? L'éducation. La vraie éducation. L'éducation qui consisterait à nous apprendre un peu la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie de tous les jours? On sort de là, disons qu'on... Ça paraît comme si on sortirait de... Une vie, disons, qui est tout à fait à part du monde réel, quand on commençait à travailler. On nous a montré la vie un peu en rose. Avoir confiance, disons, aux autorités ou aux dirigeants. On s'aperçoit plus tard que c'est pas tout à fait le même jeu. Est-ce que dans votre école, on trouvait des gens pour vous orienter, vous aider à choisir, je sais pas moi, un métier, une profession? Il y a un gros manque dans l'orientation. Disons que moi, j'étais rendu en 10e année, puis je savais pas exactement où je m'en allais. J'avais aucune idée. Après votre école, vous avez décidé de travailler. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler plutôt qu'aller, je sais pas, tenter d'aller à l'université ou autre chose? Ben, l'université, c'est, disons, le gros bon sens que c'était assez clair que je pouvais pas y aller. J'aurais été trop vieux, pour continuer. Ça prenait un salaire pour rentrer dans la maison. T'as pas assez fortuné chez moi pour se permettre des études comme ça. Pendant que vous travailliez, vous avez décidé de suivre des cours du soir. Oui. Pourquoi? Ben, disons, pour améliorer mon sort. On peut pas, rester toujours au même point, prendre une position, disons, à 40 $ par semaine, puis vouloir en rester là, ça n'a pas de bon sens. Vous-même, vous avez décidé de suivre un cours du soir? Oui. Dans quel... J'ai voulu terminer mon cours secondaire comme première année là, dans l'école du soir. Ensuite de ça, j'ai pris le dessin commercial.
J'ai fait 2 ans. Est-ce que ça a amélioré votre sort? Pas beaucoup. Disons que c'est une formation, mais c'était pas assez... pas assez complète, disons, pour pouvoir faire une carrière réellement là-dedans. Mais est-ce qu'en sortant de l'école du soir, vous avez pu, avec le papier qu'on vous avait remis et les cours qu'on vous avait fait suivre, est-ce que vous avez pu exercer un autre métier que celui de, je sais pas moi, celui que vous auriez exercé autrement? Non, j'ai pas pu exercer d'autre métier, celui de dessinateur. Disons que le domaine déjà est pas mal surchargé, hein. On remet des diplômes, c'est bien beau. Il en sort environ une trentaine par année, juste à cette école-là. Mais dans Montréal, disons qu'il n'y a pas 30 places ouvertes. Ça, c'est à part des autres écoles dans le dessin commercial. Donc, c'est plutôt ceux qui ont déjà des contacts à l'extérieur qui vont se trouver de l'emploi. Ça arrive souvent. Hein? J'ai lu dernièrement qu'à Sherbrooke, sur différentes écoles de barbier, sur 280 diplômés, il y en a eu... 28 qui sont trouvés un emploi, ça veut dire 1 sur 10. C'est à peu près le même cas, je pense, qui se reproduit un peu partout. Qu'est-ce qu'ils payaient pour ces cours-là? Ben, c'est moi, je travaillais pendant le jour. J'étais obligé de payer pour ça. Ben, je l'ai payé en argent et en temps. Temps perdu aussi. Ce temps perdu, comment est-ce que vous pensez pouvoir le récupérer un jour? Ah, ça, disons que... on ne récupère pas le temps. Le temps passe, on ne revient pas en arrière. Disons que si je pourrais trouver quelque chose qui donnerait réellement une chance, une position d'avenir, peut-être que là, je pourrais réellement contribuer à ce que d'autres ne se fassent pas embarquer comme moi, je me suis fait embarquer. Je pense que la vengeance n'est pas tellement bon dans ce cas-là, mais plutôt chercher à réformer le système. Jacques, à quel âge vous êtes-vous marié? 19 ans. Et pourquoi? Parce que j'aimais ma femme et que nous avions 2 enfants. Avant de vous marier? Oui. Est-ce que ce cas-là est assez fréquent? Eh bien, sur 6 de mes compagnons de classe, 5 se sont mariés dans le même cas que moi. Ça ressemble à quoi, le mariage? À pas grand-chose pour un gars de 19 ans. Pourquoi? Vous considérez que vous étiez pas prêt? Mais enfin, trop jeune. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Ben, premièrement, moi, j'ai pas assez sorti. Je connais pas assez qu'est-ce que c'est que une vie de garçon, enfin. Une vie où on a des amis, on a des amitiés. Enfin, j'ai tout de suite sorti avec elle. J'avais 16 ans quand j'ai commencé à sortir avec. J'ai sorti avec elle jusqu'à 19 ans. Est-ce qu'il y a une question d'argent qui rentre en ligne de compte? Ah oui. Beaucoup. Je crois qu'aussi que l'argent, c'est quelque chose de primordial probablement dans la réussite d'un mariage. Parce que sans l'argent, c'est à peu près impossible. Ben, on s'aime quand même, il peut y avoir de l'amour, mais quand même, il y a toujours une mésentente quelque part. Vous rêviez de faire... quelque chose de différent avant de vous marier? Est-ce que ça a changé vos projets? Ça a changé de tout au tout. Je rêvais de faire un médecin. Je suis journalier. En quelle année avez-vous terminé vos études? 12e année. Vous semblez un petit peu écœuré. Un peu beaucoup, oui. Est-ce que tout ça, dans le fond, c'est un peu de votre faute ou un peu de la faute de tout le monde ou quoi? Bon, en fait, comme deux raisons, il y a de ma faute dans tout ça. Mais il y a aussi, je crois, la faute de cette maudite société qui fait des lois quasiment pour des dieux, en qui fait des lois qui tient pas compte qu'un homme est un homme, qu'un homme n'est pas un dieu. Ils prennent les hommes pour probablement trop parfaits pour qu'est-ce qu'ils sont en réalité. C'est-à-dire qu'un gars qui aime une fille peut lui faire un enfant, mais comme de raison, si ce gars-là marie cette fille-là par après, ça veut pas nécessairement dire que le mariage avec une réussite. Mais ça, c'est à cause probablement de la société qui tient pas compte de ça. C'est à cause aussi probablement de la religion. De la religion qui fait de l'amour un péché, en fin de compte. Parce qu'aimer, c'est pas vilain, aimer. C'est beau, aimer. Mais enfin, c'est parce qu'on peut aimer plusieurs filles aussi. C'est ça, l'affaire.
Quand à 19 ans, on a des enfants, ça marche pas. Quand vos compagnons ou vous ou d'autres vous séparez, qu'est-ce qui arrive aux enfants? Mais c'est ça. C'est parce que là, il y a une grosse hésitation qui se fait naturellement avant la séparation. Naturellement, on a un visage de se séparer, mais quand même, on pense aux enfants, on hésite, on sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Peut-être qu'on va toffer. On va toffer toute la vie, mais ça va être une vie de quoi? Une vie de rien. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment s'appelle votre situation? Ben, c'est un genre de délinquance, si on veut. Parce que c'est un genre de... Probablement, c'est un genre de révolte qui se fait contre qu'est-ce qui est établi. En fait, faire l'amour avec une fille, c'est pas établi bien, si on veut, dans la belle province. Qu'est-ce que vous penseriez, je sais pas moi, s'il y avait plutôt des bordels dans les environs, est-ce que ça serait plus simple? Ben, ça probablement plus... ça serait mieux pour tout le monde. Naturellement, ça serait mieux pour la petite fille qui a 18 ans, hein, qui est déjà avec un petit, deux petits. T'sais, enfin, cette fille-là, elle aime le type. Elle l'aime pour un bout de temps, elle l'aime pour quelques mois, quelques années peut-être. Mais enfin, elle peut gâcher toute sa vie. C'est la même chose au gars. Au gars, à 19 ans, on est marié, on a des enfants, des responsabilités. Et puis nous autres, ben, on pense probablement plus à voyager, on pense probablement plus à courir les autres filles aussi. Comment vous imaginez-vous dans 5 ans? Ben, moi, je m'imagine pas. J'ai peur, c'est tout. Très peur. Quelle sorte d'enfance avez-vous eu? J'étais placé à la crèche et par la suite à l'orphelinat. Là, j'ai connu les longs dimanches, les mois et les mois sans sortie, les jours de l'an et les Noëls passés sans aucun esprit familial. Le fait aussi d'être élevé en groupe sans tenir compte du caractère de chacun, tenant compte surtout du caractère du groupe. Quel est le meilleur souvenir que vous avez de là-bas? Ben, mon meilleur souvenir, c'est probablement le sortir des institutions. À quel point est-ce que ces institutions-là ou cette vie-là a orienté votre vie adulte? Ben, le fait d'avoir passé dans ces maisons-là, ça fait que quand on tombe dans la société, ben, faut essayer de comprendre la société. Dans ces institutions-là, ben, on nous enseigne que le monde marche, pour ainsi dire, sur des roulettes, que tout est bien, que les riches sont tout bons et tout ça. On sort, ben, on s'aperçoit que la société n'est pas telle qu'on nous l'a décrit. On est surpris par différentes choses, comme on est surpris du fait qu'ils nous demandent des diplômes, comme aujourd'hui, disons, ça prend un diplôme de 9e année pour devenir vidangeur. Puis on constate que pour élever une famille, pour avoir des enfants et tout ça, là, ben, ils ne demandent pas de diplôme, il n'y a pas de test d'aptitude, mais rien de ça. Vous avez étudié jusqu'à quelle année? Jusqu'en 9e année. Cette 9e année-là, ça prépare à quelle sorte de métier? Ça prépare pas à aucun métier. Ça prépare ben, peut-être au métier de broche à foin, c'est-à-dire passeur de circulaire, livreur de télégrammes ou encore des petits jobs de manufacture journalier. Quelle sorte de métier est-ce que vous avez pratiqué? Alors, pour moi, j'ai fait un peu de tout. Passant de laveur de vaisselle à organisateur d'élections, d'organisateur d'élections à organisateur de loisirs, empaqueteur, vendeur de gâteaux, un petit peu de tout. Quel est celui que vous avez préféré? Pour moi, ben, c'est travailler dans un restaurant, vendeur de gâteaux, c'est-à-dire le métier où on n'était pas esclave d'une machine, un métier où on restait en contact avec les êtres humains. C'est peut-être parce que ça m'avait manqué beaucoup au collège. Les gens que vous avez rencontrés dans ces métiers-là, en pratiquant ces métiers-là, quelle sorte de gens est-ce que c'est? Bien, comme tous les gens, c'était des gens qui avaient fait des rêves et tout ça. En tout cas, qui s'étaient vus, qui pensaient pouvoir vivre. Et puis, tout d'un coup, s'aperçoivent qu'ils peuvent à peine survivre, qu'il y a des salaires de famine, que le chômage existe.
Et que la vie, somme toute, c'est strictement une lutte. Ça fait c'est des gens qui, en général, peuvent simplement combattre pour survivre et qui connaissent aucun loisir et qui ne peuvent pas s'adonner non plus ni à la musique, ni à la politique, ni absolument rien. Vous avez décidé d'habiter un quartier ouvrier, mais un quartier aussi où il y a beaucoup de délinquants. Pourquoi donc? Bien, probablement parce que, pour moi, ce sont, dans les quartiers ouvriers, ce sont les gens les plus sincères. Ils exigent là une certaine fraternité. En tout cas, on a peu, mais il y a un partage de ce peu. Il y a aussi que, ayant connu une enfance malheureuse et tout ça, peut-être dans l'espoir d'aider un peu à ce que d'autres puissent mieux s'en sortir que moi-même, je m'en suis sorti. Les gens du quartier, les gens de la classe ouvrière sont en général très, très sympathiques. Ce sont des gens qui luttent pour assurer un confort plus grand aux enfants que celui que les autres ont connu. Par contre, il y a une élite, il y a des hommes d'affaires qui bloquent de nombreux projets, soit de PAC ou de développement, dans l'espoir de garder leur commerce et tout ça. Il y a une élite qui réellement exploite les ouvriers en général dans ces quartiers. Qu'est-ce qu'un délinquant? Un délinquant, pour moi, c'est un mal adapté. C'est un gars qui se trouve en dehors de la société. La plupart du temps, parce qu'il appartient soit à une famille séparée, une famille où le père n'a aucune autorité, le père prend un coup, ou encore des cas de pauvreté où un type a été mis en dehors de la société parce que ne pouvant pas se vêtir décemment, bien, il est obligé de se tenir en gang. Ni plus ni moins à la place où les gens ne remarquent pas s'ils portent des jeans ou s'ils n'ont pas habillé à la dernière mode. Est-ce qu'il y a différentes sortes de délinquance? Je veux dire, est-ce que les milieux différents fabriquent des délinquants différents? Oui, sûrement que le milieu fabrique des délinquants différents. Puis c'est là qu'on voit, disons, que le milieu est responsable en grande partie de la délinquance juvénile. Comme, disons, Québec. Une grande ville où les piscines sont payantes, le bowling est payant, toutes les formes de loisirs à peu près c'est payant, mais les jeunes vont briser les parcomètres puis se procurer le 25 cents qu'ils ont besoin pour entrer aux loisirs. À Montréal, ben, on voit les jeunes voient les gens qui ont des autos, les gens d'outre-monde, de Mont-Royal qui ont des autos et tout ça, sont portés emprunter ces autos-là. À Sherbrooke, je crois que c'est l'inceste. Trois-Rivières, ben, on se sent obligé de se tenir en gang. C'est les gangs qui sont les plus fortes. Mais est-ce que ça voudrait dire que les milieux bourgeois ne forment pas de délinquants? Non, je crois pas que le milieu bourgeois forme des délinquants. Il y a seulement quelques types qui tiennent à protester la plupart du temps contre un milieu familial, l'absence du père pris des fois par des conventions sociales ou faire une chose comme ça. Mais là, il s'en sort très facilement puisque la famille a les moyens de le changer nombre fois de collège ou d'université ou de lui payer des cours spéciaux en peinture ou en art dramatique. Enfin, ils peuvent s'en sortir assez facilement. Et le petit salarié, lui, peut pas s'en sortir? Pour le petit salarié, c'est difficile, pour ainsi dire, même impossible, puisque le père ne peut pas mettre la majorité de ses revenus pour lui, parce qu'en général, c'est des familles assez nombreuses. Pour moi, c'est quasiment impossible dans un quartier ouvrier pour un délinquant de s'en sortir. Moi, qu'est-ce qui me décourage, c'est qu'on peut à peine se permettre de rêver à des choses que des gens peuvent se payer bien facilement. It's not the townhouse, it's not the lawn, not the swimming pool we're proud to own, not the two-car garage with playroom above. It's none of these things, it's just love. Living gold, the rose on our
À quel âge est-ce que tu as commencé à vouloir avoir de l'argent dans tes poches? Moi, à peu près à 15 ans, 14 ans, 15 ans. Commencé à me tenir avec des gars, des filles. Mon Dieu, là, quand on commence à se tenir avec une gang, faut se tenir avec la gang. S'il y a une bataille, faut se mettre dans la bataille, voyez-vous? C'est comme ça que ça va. Dans notre bout, c'était comme ça. Toi, Pierre, est-ce que tu as déjà fait partie d'une gang? Ou... Bah oui, j'étais venu avec une gang. Est-ce que les derniers... Après 5 ans, j'ai arrêté de me tenir. Mais là, on a commencé à se séparer, on était plus vieux. Fait que, y en a qui sont mariés, il y en a qui ont laissé le quartier. Mais quand on se tenait ensemble, c'était plutôt pour protection. La protection, c'était bien ça. Parce que, ben, c'était quasiment pour ça. Est-ce que, jusqu'à quelle année vous êtes allés à l'école, tous les deux? Moi, j'ai fait la 8e. La 8e aussi. Et qu'est-ce que tu pensais des professeurs à l'école? Ben, la plupart des maîtresses que j'ai eues, ça n'était pas trop bien. Comme ça, l'école, mais j'avais pas l'argent pour finir. J'avais pas l'argent pour compléter mon éducation. Je suis trop niaiseux à l'école. Je n'en savais pas assez pour étudier le soir, là. J'ai trop resté avec... sortir avec les gars. J'en ai mieux sortir avec les gars. Je tiens avec les filles que de travailler dans des livres d'école. Vraiment pas ça. Est-ce que les policiers dans le quartier vous simplifient la vie ou vous la compliquent? Moi, je crois qu'il y a un devoir à faire, mais il y a des fois, il ambitionne un peu, celui-là, ouais. Je suis déjà fait t'approcher, par exemple. Ah oui. Plus qu'une fois. Plus qu'une fois.
des affaires de rien. Tu tiens sur le coin des rues. À 10h30, il arrive encore, puis poussez-vous. Puis si on se pousse à fond, on se faisait ramasser, puis à la prison pour la soirée, puis... C'est toujours comme ça. Nous donne jamais une chance de se tenir ensemble. Pour rien? Pour rien. Je faisais des affaires de niaiserie. J'ai jamais été brutalisé, mais je me suis fait donner une coupe de claque une fois dans la par les autres. Pas un bel respect pour les autres, la plupart des autres. Il n'y a pas de respect. Hein. Vous avez le droit de vote aujourd'hui. Aux prochaines élections, est-ce que vous allez l'utiliser? Non, pas depuis travailler ces élections. Les élections, il n'y a pas de payer pour. Ça m'intéresse pas vraiment. Ça peut pas être différent de quel parti qui est en pouvoir. Ils sont tous des voleurs. Parce que moi, ça affectera pas ma vie bien de manière ou d'une autre. 5$ de plus, 5$ de moins, c'est pareil pour moi. Combien est-ce que tu prendrais par année pour dans un travail, là, dans l'idéal, quel salaire tu aimerais avoir par année? Moi? Bah, je pense que je pourrais vivre bien avec 4 000$ par année, 4 500$. 5 000$ par année. Lui, 4 000, toi, 7 000. Ouais. Et combien est-ce que vous risquez de gagner par année en travaillant aujourd'hui? Moi, je fais à peu près 3 000, 3 400 par année. La moitié de ce que tu veux? À la moitié que je veux. Puis toi? Ouais. Je travaille pas. Je fais pas de... Je fais pas de rapport d'impôt. Je fais... Un mois... Je marque un mois par année. Pour le restant... Tu gagnes pas assez? Hein? Tu gagnes pas assez? Je gagne pas assez, ben je vais. Je fais quasiment ce que je veux. Ouais, c'est ça. Penses-tu que la société t'a aidé jusqu'à maintenant? Elle m'a fait rien pour moi. Non plus. Rien du tout. Jamais aidé. Pas une fois. Alors tu ferais rien pour la société à ton tour? Ben, non, c'est bon. Si on pourrait... Ça fait que ça marche les 200. Ça fait qu'on vient d'un accord. Ça peut travailler ensemble. J'essaierai. Je peux essayer d'avoir la goût une fois. Mais... Comment vous voyez-vous dans un an, tous les deux? Qu'est-ce que vous allez faire dans un an? La même chose qu'aujourd'hui. Travailler. Pour presque rien. Dans 5 ans? Dans 5 ans? Il y a des chances qu'on peut être mariés. Puis, tu sais, mais si on sera mariés, ce sera pas si pire comme aujourd'hui, parce qu'il faut travailler. On gagne des salaires de 50$ par semaine, 15$ de pension, puis on n'a rien. Moi, je viens de m'acheter un char, puis on n'a pas d'argent pour dépenser. Ben, j'ai jamais pensé même à ça. Ça me fait peur un peu, le mariage. T'as peur du mariage? Ah, c'est pas mal une grosse responsabilité. Je ne sais pas si je suis encore assez maturé pour marier. Peut-être que ça me changerait complètement, je ne sais pas. Ah, je rencontrerai... Je rencontrerai la bonne fille. Très bien, je la marierai. Je ne peux pas rencontrer encore. Si vous avez des enfants, est-ce que vous allez les élever dans le quartier ici? Moi, non. Moi, je déménagerai d'ici. J'essaierai de rester à Westmont, quelque chose comme ça, mais pas dans ce quartier ici. Jamais du tout. Moi, je ne les élèverai pas dans ce poste-ci. Je n'irai pas rester à Westmont parce que je ne fais pas assez d'argent pour rester là. À Verdun, Rosemont, tout ça. Hein. Ben, moi, pour. Mes enfants, je ne voudrais pas qu'ils soient élevés comme moi, qu'ils fassent ce que j'ai fait. Ben, moi-même, je reviendrai dans le bout. Quoi? Pourquoi des amis? Les fins de semaine, ma délassée, je reviendrai dans le bout. Tout le monde qu'on connaît, mais... Avez-vous des sœurs? Oui, j'ai deux sœurs et un frère. Deux sœurs, oui. Bon, le quartier est dur pour les garçons, mais est-ce que c'est la même chose pour les filles? Je veux dire, si vous aviez des filles, les éleveriez-vous dans le quartier? Pas plus. Non. Pourquoi? Ah, ben, je suis allé des filles, je voudrais pas. Par moins de temps qu'ils s'est élevé, ils seraient plus sûrs de leur. De leur coup. Je pense qu'ils seraient vierges plus longtemps dans l'autre quartier que dans l'autre quartier. Dans l'autre quartier, qu'elle est dans notre boîte. Tu peux pas te fier à personne dans le quartier. Pas une. Tu penses que les gens sont plus honnêtes ailleurs? C'est pas vraiment vécu ailleurs. Je trouve que le monde des autres quartiers sont plus cash que le monde des autres quartiers. Ils n'ont pas les mêmes instincts, nous autres. C'est ça. Moi, je trouve que dans notre quartier, nous autres, c'est plutôt... Ben, le seul qui se débrouille le mieux, c'est lui qui a le plus. C'est ça. Le plus fort de la poche. Le plus fort de la gang, c'est lui qui a tout. Qu'est-ce que vous faites de vos soirées?
Croye. Des fois, je bois. À taverne, dans un club. Et quand je bois pas tant que ça. Je bois une fois de temps en temps. Je fais pas loin dans la rue, j'essaie de ramasser des feuilles. J'essaie de me matcher. Je cherche toujours mon idéal. Ton idéal? Qu'est-ce que c'est ton idéal de femme? L'idéal de femme? Faudrait qu'elle soit patiente. Faudrait qu'elle soit honnête. C'est un peu dur à marier une femme. Faudrait qu'elle soit fidèle. Faudrait qu'elle soit passionnée. T'en demandes beaucoup, non? Hein? Non, pas trop. Toi, qu'est-ce que tu lui offres en échange à ce moment-là? Qui, moi? Une vie de beauté. Ben, comme je dis, faudrait qu'elle m'inspire que je travaille, hein, faudrait qu'elle m'aide. Moi, je crois que on pourrait travailler ensemble. Faire mon possible, c'est ce que je pourrais faire. Ça ferait vivre. Le soir, tu sors avec les filles, mais tu vas jamais au cinéma? Au cinéma, non. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça des vues qui ont été basées sur la fiction. Moi, autant avoir quelque chose de vrai. Moi. Quelque chose qui est pas vrai, mais ça m'intéresse pas. La télévision, ça t'intéresse? La télévision, le seul temps que je regarde ça, c'est quand j'ai du sport. Ah ben non, avant de me coucher, souvent, je me regardais à grand vue en mort. Hein. C'est le seul temps. Je suis jamais dans la maison pour ça. Si je vous demandais de raconter un petit peu ce que vous avez fait hier. Ouais. Ah, hier, j'étais me promener en campagne. J'ai une belle boîte. J'ai eu une belle journée parce que je n'étais pas en ville. Quand j'étais en ville, il n'y avait rien à faire. Puis dans notre bout, il n'y a rien. Il n'y a pas terrain pour jouer à des sports. Il faut se promener sur la rue Sainte-Catherine, quelque chose comme ça. Moi, je me suis levé vers 3 heures l'après-midi. Je suis sorti vers 5 heures, il n'y a personne dans le bout. Je suis retourné chez nous. Je suis sorti après 1 heure après. Je l'ai rencontré. Il était mangé au restaurant. Après, on était voir des filles qu'on connaît, c'est le Saint-Antoine. On rasait avec eux pour un excuse. Après, on était croisés avec des gars. Après, on était chez eux pour un excuse. Après, je suis allé à la maison. Quand vous jasez de quoi? Ben, j'essaie. Ben, je parle n'importe quoi. J'essaie d'avoir de quoi qu'elle aime à parler. Après, j'essaie de parler avec elle sur ce sujet-là. Parce qu'à temps, on s'est dit ça. Après, ben. Ça va faire l'amour. Quatrième mystère, la présentation du résultat. Yeah.
Maurice Nadeau, qu'est-ce qui se passe quand un délinquant se fait attraper? Bien, la première fois qu'un type vient à la cour juvénile, on lui fait des menaces, on lui dit que c'est le repris qu'il va aller en prison pour une couple d'années et tout ça. Ça fait que ça impressionne assez souvent le jeune. Il retourne dans son foyer et puis là, ben, s'il est repris quelques temps après, il revient devant le juge. Et là, ben, autant qu'on a été menaçant la première fois, autant qu'on est conciliant la deuxième fois, on lui parle de responsabilité familiale, on lui parle de sa carrière, etc. Ça fait que là, ben, ça l'amuse. Il voit que les menaces qu'on lui a faites, ben, c'était des rigolades. Ça fait qu'il ne gêne pas pour venir devant la cour. On a même vu qu'ils sont venus 30 fois en l'espace de 2 ans devant le juge du bien-être social. Et à quoi ressemblent les institutions où on les place quand on leur donne 6 mois ou 1 an? Ou... Bien, il y a des institutions comme Boscoville, où là, on essaie véritablement une réhabilitation, se servant de tous les moyens modernes, de psychiatres, etc. Et il y a aussi des institutions comme le Mont-Saint-Antoine, où là, on mélange un peu les délinquants, ceux qui sont issus de familles séparées et tout ça. Il y a les centres punitifs, les véritables prisons, où là, on met des petits gars de 17-18 ans. Comment est-ce qu'on peut rééduquer quelqu'un? Est-ce que c'est par une vie réglementée, par la force, par quoi? Moi, je crois que... Puis Boscoville est là, je crois, pour le prouver. C'est par une démocratie. Il faut que tenir compte de l'opinion des jeunes. Ils sont tous, c'est quasiment des hommes. Ils ont 17-18 ans. Il faut tenir compte de leur opinion. C'est pas par la force. Au contraire, par la force, on en fait de plus en plus des criminels. Je pense qu'on peut devenir délinquant de bien des façons. Ça peut dépendre du milieu familial, ça peut dépendre des gars avec qui se constient. D'après moi, en tout cas, il peut y avoir bien des façons qu'on peut devenir délinquant. C'est qu'à ce moment-là, il faudra que je relate une expérience personnelle, tu sais, que j'ai vécue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis venu ici en 62, j'ai fait 1 an. J'avais demandé à mon juge de m'envoyer justement dans un endroit comme ici, pour m'instruire. Hein? Alors, c'était un cas de protection, si tu veux, quelque chose dans ce genre-là. Alors, j'ai fait mon année, et puis à un moment donné, ben, j'étais tanné, j'étais vraiment tanné. Les études, c'était bien beau, mais j'avais rêvé un peu avec ça. J'avais dépassé pas mal la réalité, alors là. Mais j'étais allé voir le juge, puis je voulais m'en aller. Donc, le juge, ben, il n'a pas pu faire autrement que m'envoyer, parce que j'avais pas commis de délit encore, et puis que c'était légal que je m'en allais. C'est justement là que le problème commençait. En arrivant en dehors, si tu veux, là, tu réalises que c'est pas la même vie pour toi. Premièrement, là, t'as plus de cadre. T'as plus personne pour, si tu veux, pour te dire, ben, c'est ça que tu fais. Demain, puis ça va marcher. Puis pas moyen, tu te tromperas pas en faisant ça. Là, t'es tout seul. Là, faut que tu penses tout seul. Première des choses, ben, faut que tu trouves un job, hein, faut que tu travailles. Ça, le job, ben, avec le peu d'instructions que j'avais, je pouvais trouver dans Wyvern, tu sais. Mais c'était suffire à mes besoins, c'était de m'habiller, m'en-tu de manger,
de penser à tout ça. C'est peut-être des détails, si je veux dire, là, comme la nourriture, tout ça, le linge, faut faire laver, le linge, il faut s'acheter. S'acheter quelque chose, je sais pas, des cadrans, des radios, des affaires de même. Un gars qui reste en chambre, c'est des choses qui sont utiles. Ça, c'est des choses que tu penses pas quand t'es 17, t'as tout ça. T'as tout ça dans la bouche bien cuit, hein? Tu vas manger, t'as une telle heure pour aller manger, déjeuner, dîner, souper, ça, tout est correct. Mais quand t'arrives en dehors, t'as plus personne puis t'as plus rien. Là, c'est toi, il faut qu'il le fasse. Alors là, c'est plus la même chose. Et le gars, quand il est ici, ben, il rêve. Ah, ben, ce sera pas long, on va sortir d'ici, le 9e année, là. On va lui mettre une broue, on va revenir avec un gros char, puis la bière, si tu veux, des femmes, et ces affaires-là. Quand il arrive en dehors, ben, c'est pas la même chose partout. Qu'est-ce qui fait que tu es revenu ici? C'est qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pris pour faire encore un break, si tu veux, c'est une tour d'un peu de même, un break, un coup, si vous voulez. Il me restait plus grand-chose à manger, je peux employer ça. Puis je reste en chambre, puis j'étais tout seul. Découragement m'est pris, hein? Comme un autre aurait fait probablement, parce qu'on a tout fait pareil. Et puis à un moment donné, j'ai fait un coup, c'est que j'ai été dans une quincaillerie. Et puis j'ai rentré dans la quincaillerie. Et puis j'avais rencontré deux gars avant d'une taverne. Et puis je les connaissais pas, justement, ça faisait mon affaire. J'étais trouvé, puis si tu veux, si tu peux appeler ça de même, j'ai monté un bateau. Puis moi, dans la gaffe, ça marche. Ah, le gars, c'est correct. Fait qu'à un moment donné, on a sorti tous les deux. On s'est en allé sur le boulevard. Et puis que le boulevard, c'est moi, en tout cas, sur le boulevard. Et puis en passant, moi, avant d'entrer à l'autre taverne au coin, j'avais vu une quincaillerie, puis c'était ouvert. Puis c'était un vendredi soir. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et puis, quand j'ai vu ça, moi, j'ai continué, j'ai rentré dans la taverne, et puis j'ai dit, il y a une quincaillerie au coin, puis ça nous prend la main des armes, c'est quelque chose de même. Oh, puis aller là de même. L'autre était d'accord. Fait que j'ai dit que si vous allez faire, ben, mi-corsa, vous allez rentrer, et puis vous allez aller trouver le gars qui sert en avant. Puis sans y sauter dessus, bien sûr, vous allez y nuire. Si vous voulez prendre des carabines, vous allez y nuire. Comme de fait, moi j'ai pris deux carabines, puis chose, son mène avant du gars. Le gars s'est maquillé, hein. Il se voit avec ça, il m'en va, puis là, j'ai pris deux carabines, j'ai sacré mon gant, mon côte par-dessus, j'ai monté. Et puis, quand je suis arrivé à ma chambre, ben, il y avait un gars qui m'avait vu rentrer avec ça. Enfin, c'est ce coudon, j'ai jamais des mains. Il dit que c'était là, j'ai été carabine. Ah, pas grave. Alors, le gars, là, il m'a compté une pipe, puis deux minutes après, la police s'est rendue. Il m'a arrêté. Qu'est-ce que tu penses des policiers qui t'ont arrêté? Certains policiers sont très bons. Bon, faut s'entendre, ils font leur devoir, mais il y en a d'autres, par contre, qui sont un peu brutales. À ce moment-là, c'est pas bien, bien intéressant, t'sais. Ils n'ont pas une bonne méthode, si tu veux, de prendre un gars, puis de lui dire, ben, viens ici, on t'arrête, c'est fini là, viens avec nous autres. Ils arrivent au côté de toi, puis ils te font de l'air en plein visage, mais quelque chose de même. Moi, je trouve que le gars irait sans voir ça. Il y en a d'autres qui sont très bons, en dehors de ça, là. Comment est-ce qu'on t'a traité, toi? La première arrestation que j'ai eue, là, j'étais bien, j'étais bien traité. La deuxième, c'était moins bon, par exemple. La police, le détective, vous aimez mieux. Il est rentré, j'étais dans ma chambre. Défoncé ma porte. Et puis, il m'a dit, en me donnant de l'aigle en face, il dit, coudonc, quand je t'ai dit de débarrer la porte, c'était bien qu'à débarrer. Fait que ça, c'est justement ce genre de ce type-là que je viens de parler. Là. Ça, ces gars-là, ça devrait pas être dans la police. Ça, ils font ce qu'ils peuvent, les policiers. Je pense qu'ils devraient avoir un cours nécessaire pour être capable de faire face à toutes les situations qu'ils ont à faire face. Tu crois qu'ils sont incapables de faire face à toutes les situations en ce moment? Ben, je pense que oui. Ils ont seulement qu'une 10e année, puis ils font bien qu'est-ce qu'ils peuvent, mais d'après moi, ils peuvent pas arriver à faire face à toutes les situations. Est-ce que tu appartenais à une gang avant? Oui. Est-ce que cette gang-là te manque? Ben, m'a manqué au début, à mon arrivée à Boscoville, mais à ce temps, je commence à me passer de ça facilement. Pendant combien de temps est-ce que t'as manqué? Bon, disons les premiers 6 mois. Non, j'ai jamais appartenu à aucune gang. Comment ça se fait? Parce que je voyais pas, moi, qu'est-ce que c'est que... Je vais être bon là-dedans. Mais franchement, moi, je faisais un coup... Je faisais ma papa tout seul, c'était mieux, ça.
tout le monde d'assaut, puis je m'organisais tout seul. Parce qu'en gang, automatiquement, parce qu'à un moment donné, ça marche plus. C'est de la bataille, puis ça se vend l'un et l'autre, puis tu te fais toujours pogner. Et cacher toujours les coups, ça. À un moment donné, t'es plus capable, t'es en gang, tu peux pas arrêter. Tu passes pour un niaiseur, ben des conflits, ben des affaires de même. Ensuite, t'as 15 autres gars autour de toi qui te disent, ben vas-y, parce que tu vas passer. Passer par là, comme ils disent. Ici, qu'est-ce qui te manque le plus de la vie que tu avais avant? Ben, je dirais qu'il n'y a rien qui me manque, au contraire, je sais pas. Qu'est-ce qui me manque le plus? Je dis bien franchement, là, moi personnellement, il me manque pas grand-chose. C'est-à-dire que tu étais sorti, puis tu t'es très bien nourri. T'as un bon cadre de vie. C'est stable, c'est-à-dire, hein? Et puis je vois pas qu'est-ce que c'est qu'un gars m'arrête de raison. De sacrer son camp pour une niaiserie, je dis pas, moi. J'ai envie de sacrer son camp, c'est pas, puis s'en aller de même, à peu près sans raison valable, tu sais. Oui, je me trouve très bien, ça. Ça marche. Il y a peut-être quelques petites affaires, comme tu sors peut-être pas souvent. Il y a bien des fois, ben, tu manques un peu d'argent, mais ça, c'est naturel. Ils t'en donnent toujours, ça. Et puis, il y a toujours des détails de même. Ça rentre en compte, puis il y en a qui se sont beaucoup sensibles là-dessus, puis tu fais du part. Ils exagèrent ça. En dehors de ça, moi, je suis pas là. Moi, je trouve qu'il y a rien qui me manque. On a des. Bon, on peut avoir des sorties les dimanches, puis les gars vont en ville, puis ici, on a tout ce qu'il faut. On a des sports, on a des activités qui bon, juste, y a rien qui manque. À quoi ressemblent les éducateurs qui sont ici? Quelle sorte de gars est-ce? La plupart sont assez jeunes. On peut assez facilement discuter avec eux autres, puis surtout le fait qu'ils n'ont pas de préjugés contre les délinquants, je pense que ça aide beaucoup. Mais moi, je trouve... Personnellement, c'est que la première bonne chose, si tu veux, qu'il y a à prendre compte là-dedans, c'est que c'est pas des gars qui vont marcher brutalement, tu sais. C'est-à-dire, on va essayer de s'expliquer aux pédagogues, si tu veux, c'est des grands mots pour moi, mais c'est ça quand même. Et puis ça, ils ont une manière, je sais pas, mais ils comprennent un gars, tu sais. À un moment donné, ils viennent, qu'ils connaissent tellement le gars, là, qu'ils font, si tu veux, quasiment tout ce qu'ils veulent avec, tu sais. Ils manisent très bien, si tu veux, tu sais. Et puis, il n'y a jamais d'affaire de tu vas marcher avec ça, puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. Il y a des cotations, des affaires de même, des conséquences aux actes. Attendu, si le gars fait des affaires de fou, ben là, ils peuvent pas faire autrement que de l'envoyer passer une semaine ou deux à la cour, quelque chose de même, pour remettre le gars, on va le mettre en chambre. Mais en dehors de ça, moi, je trouve qu'ils ont une très bonne manière d'enseigner, tu sais. Et puis, tu parles avec eux autres, tu parles, ben, dehors, mais, tu sais, de l'éducateur, puis là, tu t'expliques avec. C'est pas la même chose que de parler avec une police quand t'es dans un poste de police, puis t'es là dans le coin, puis si je dis ça, ben il va m'arrêter, puis si je dis ça, ben il va peut-être me sauter dessus, tu sais. Il y a rien qui sort du bureau. Tu dis quelque chose, c'est une entrevue, ça reste là. Comprends-tu? Puis c'est un point que tu viens de marquer, tu sais, personnellement, en dedans toi-même. Parce qu'après ça, ben, selon ça, les autres, ils suivent ça, puis à un moment donné, ils arrivent, ben, t'as telle chose que tu devrais améliorer. As-tu l'impression d'avoir changé depuis que t'es ici? Je m'en revois, des fois on discute, on a des discussions, puis. Ou bien, rien qu'en regardant un film de délinquant en télévision, des fois, là. Tu regardes le film, et puis à un moment donné, là, quand ça fait un an ou deux, tu sais, tu peux pas réaliser ça. Tout de suite, de même, un gars qui va arriver deux mois, il peut pas penser exactement de même, tu sais. Mais tu t'aperçois tout de suite, tu vois le gars agir, puis tu te dis, putain, un peu, moi. Ça fait un an, moi, j'agissais de même, tu sais. Je faisais les mêmes maudites caveries, les mêmes maudites bêtises, tu sais. C'était niaiseux de ma part, mais j'étais pas capable de me rendre compte. Il y avait personne pour me le dire, c'est pas de même, tu dois faire ça. Ah ben, il me le disait, mais à coup de poing d'en face, ça rentrait pas plus. J'ai beaucoup changé, c'est surtout, tu sais. Tu franchis des étapes, tu évolues tranquillement dans tous les domaines. On m'a reparlé de faire de la peinture, mais des affaires de même, mais des affaires de Picasso, c'est niaiseux, ça. C'est niaiseux, ça. Ça pouvait mon manque, si tu veux, de connaissances, hein. T'apprends la peinture, tout ça. Puis le théâtre, les autres, réalisation des films, tout ça. C'est toutes des activités qui aident le gars, tu sais. Sans prendre une mauvaise méthode pour y montrer. Si tu vas faire ça, ben tu vas avoir telle conséquence si tu fais pas ça. À ce moment-là, le gars, tout de suite, il n'y a rien à faire avec un même. Si on décidait de construire autour de Boscoville un mur, penses-tu que les gars réagiraient de la même façon? Non, je pense pas. Parce que je prends l'exemple du centre fermé, je pense qu'il...
depuis qu'il est ouvert, je pense qu'ils ont battu le record de Boscoville depuis que Boscoville est ouvert. Puis ça fait même pas un an qu'il est ouvert. Puis je pense que si il y aurait des murs, ce serait comme une espèce de défi aux gars de se pousser. Franchement, s'il y avait un mur, là, oui, ce serait plus fort que moi. Il faudrait que je l'escalade pour lui montrer que sans mur, on est capable de rester ici pareil. Ah ouais, tu peux... No.